Eh, le v'là de retour. L'as des as est rentré. Hey. Rub, viens par là. Faut que je t'affranchisse sur un truc. J'allais aux toilettes, je peux plus attendre. Vous m'accordez une minute? Je t'escorte. J'ai appris pour ton voyage de noces. C'est un sale coup. J'ai senti que cette fille était une salope à la seconde où je l'ai vue. Oui, en fait non, c'est-à-dire c'est compliqué, il faut savoir. Eh, lui trouve pas d'excuses, c'est une salope et ça en sera toujours une, point barre. Oubliez pas ça autre chose. D'ailleurs, à ce propos, t'as déjà entendu parler d'un Leland Van Loo? Hein, Leland Van Loo, oui, un Australien, c'est ça? En couverture de Forbes, l'an dernier. Gagné. Ah, il a créé une de ces sociétés d'informatique chtonique. Dieu seul sait ce qui branle dans ce genre de boîte. Il va être nationalisé. Si Pépère veut conserver le poste de DG de sa compagnie, dis-moi ce qu'il doit fournir. Une assurance vie? Bingo, vainqueur de l'étape. Et vous voulez le profil des bonhommes? Ouais. Seulement, il y a une couille. Ouais? Il a une réputation de cow-boy. C'est un adepte de sport extrême. Il serait du genre trompe-la-mort à ce qu'on dit. Donc, j'ai 10 contre 1. Mais si t'arrives à me négocier ça, on palpera gros pour un contrat pareil. Et il y aura peut-être une prime pour toi. Faut bien la payer, cette baraque. D'accord, voyons d'abord ce que donnent les chiffres et... Et voilà. Tu vois, eh ben c'est pour ça. J'ai confiance en personne d'autre pour ce genre de boulot. Je t'avoue que j'ai vraiment eu la trouille que tu partes en vrille à cause de l'autre bouffe là, Lisa. T'es sûr que t'es d'aplomb pour ta fée? Ouais, c'est bon. T'es bien sûr de ça? Ouais, non, ça... Ok, bonhomme. Qu'il y a du bonheur.